Bon, mon petit Henri, c'est bientôt l'heure du couvre-feu. Tu vas pouvoir aller dormir. Là, on a repris un petit peu de vent. On dépasse les 6-7 nœuds. On est toujours sous le vent de la Martinique. Ça va, Henri? Le jour se lève et la nuit pâlit. On se trouve en fait entre la Dominique et la Guadeloupe dans le canal. C'est un calme plat, pas de vent sous l'île de la Guadeloupe. Et donc on a mis une deuxième ligne en espérant pêcher un petit poisson et surtout pas des sargasses. Montre-moi le produit de ta pêche, Henri. Voyons, c'est fameux, hein. Oui. C'est l'heure. Oh, tu peux me faire un petit bonjour, plus gentil. Voilà, c'est l'heure, mon grand. Dans le sillage Saint-Eustache et sur notre bâbord Samba, que l'on distingue à peine. Alors voici la position du trimaran. Nous sommes en fait entourés d'îles. Donc notre destination qui est Saint-Martin. Sur la droite un peu avant, on a Saint-Barthélemy. Sur la gauche, on retrouve la petite île, le rocher, donc Saba. Enfin le rocher c'est déjà une petite île. Et puis les deux îles qu'on a quittées au petit matin, Saint-Eustache et Christopher.
Et voici le très beau trimaran aux lignes harmonieuses dues au dessin de Patrick Coulombelle, qui devait participer à la route du Rhum en 1994. C'est beau les Açores. Oui, bien sûr. Rien de tel qu'un petit séjour aux Açores. Avec ce soleil incomparable. On contourne la pointe sud-ouest de Saint-Martin et on va ensuite longer Saint-Martin pour aller à l'île Fourchue qui est ici. Et voici l'île Fourchue que l'on rejoint au moteur. Tu vois des cormorans, Henri? Tu as une bouée là, entre le kata qui est près du rivage et celui qui a le taux orange. Tu vois, Henri? Ah, Lyon, c'est superbe, hein? Ça c'est Saint-Barthélemy, l'anse de l'île Fourchue où on a mouillé. Et puis vraisemblablement Saint-Martin, enfin c'est Saint-Martin même. Alors Henri, tu nous prépares un petit apéro pour ce soir? Un petit ponche. Un petit ponche. Thank you.
Le ciel ce soir est magnifique, hein, voyons. C'est parti! On va passer sous le vent de Saint-Barthélemy. Alors chef, elle est comment cette petite salade des sargasses? Elle est très bonne. Bon, ça manque un peu de poisson quand même tout ça. Hein. Voilà, on passe sous le vent de Montserrat, au pré serré. Et voilà le volcan de Montserrat, qui il y a quelques années est entré en éruption et a noyé sous les cendres la moitié de l'île.
Ah, j'ai pas plongé. Même la bouée de sauvetage a du mal à se détacher du bateau. On a un petit peu de mal, hein. Trop de muscles à soulever. Trop de muscles à soulever, oui. D'un seul coup. Petite escale forcée à Terre de Bas pour ravitailler en carburant. C'est quand même impressionnant, hein, ces sargasses qui nous ont valu bien des déboires cette nuit. Voilà, on quitte Terre de Bas où on a fait le plein de carburant.